Bonjour Pierre, donc GPS juste là avant Carène, bravo, confirmation des résultats du Grand Prix. Mais quand même, qu'est-ce qu'on éprouve quand on s'arrête parfaitement et qu'on redémarre au galop au lieu du trot? Bonjour, je suis un habitué de ces entrées-là, c'est surtout je crois les supporters derrière qui souffrent plus que moi. Après voilà, c'est des fautes de jeunesse, de manque d'expérience aussi pour moi, donc il faut qu'on apprenne à les régler, c'est tout. Et donc ensuite les notes n'ont pas cessé de remonter, ça s'est plutôt bien passé, il y a une ou deux petites fautes je crois dans les deux temps me semble-t-il. Et quelles ont été les impressions sur ce Grand Prix spécial ? Il y a certes des petites fautes, bon j'ai un crottin dans une transition pour aller chercher le passage, j'ai une jument qui n'est pas tout à fait pareille, une piste qui n'est pas tout à fait aussi facile à monter que pour le Grand Prix, et puis ça reste une jeune jument, je crois qu'il y a un petit peu de fatigue aussi, donc voilà, il faut lui excuser à elle, peut-être pas à moi mais à elle oui. Quelle est la différence pour la piste là, parce que c'est quand même la même a priori? Oui, mais on a ne serait-ce que des photographes qui ne sont pas placés au même endroit, des micros qui sont dans des pots de fleurs que personne ne voit, mais nous on les voit. Le monde, il y a plus de monde sur le tour de la piste. Enfin, c'est loin, mais ils sont quand même là. On entend au milieu de la piste un brouhaha. C'est un petit peu plus impressionnant, je pense, pour les chevaux. Et qu'est-ce que vous avez préféré alors dans ce Grand Prix spécial? Tout, des pistes comme ça, le Grand Prix spécial, c'est la reprise qu'on aime monter parce que c'est la plus grosse des reprises. Dans un stade comme ça, c'est extra, extra. Et donc le programme pour Badinda maintenant, ça va être quoi? Repos, mais après? Repos combien de temps? Oui, bien sûr, du repos parce qu'elle l'a bien mérité. Elle va surtout aller dans son paddock avec tous ses copains autour. Et puis après, on verra. On a envie de finir ce championnat d'Europe comme il faut, rentrer chez nous, se poser, retrouver les enfants, la famille. Et puis on verra pour la jument après. Merci Pierre et encore bravo. Merci. À bientôt. Merci.